Ce résumé vous est proposé par Heineken. Et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League. C'est goal, ça. Ouais, c'est but. Ouverture du score par Saúl Ñíguez. On parlait du problème sur phase arrêtée du côté de l'Atlético. C'est plutôt à Liverpool. Incroyable ce qui se passe ici après. Même pas 4 minutes, Thomas. Oui, vous parliez de la zone et finalement l'Atlético qui en profite à merveille de cette zone un petit peu sur place là sur le moment du corner, qui reste en place, qui ne bouge pas tellement. Et là, on profite du deuxième ballon avec un Saúl Ñíguez qui est à l'affût et qui termine cette action. Dit encore, non mais il a du bol, ça arrive. C'est peut-être un bon soir pour l'Atlético là quand il y a des choses comme ça qui se passent, parce que c'est encore un superbe centre ici. Mais très honnêtement, vous avez vu la différence, Liverpool met 10 minutes avant de perdre le ballon. Ici, l'Atlético, ça dure 10 secondes et ça va presque au fond. Oui, un centre et c'est dangereux, vous avez raison. Et le sauvetage ici de Robertson. Thomas, elle était pas mal cette balle. Elle était bien, Van Dijk avait compris, mais mauvaise remise de Van Dijk. Il doit frapper Morata. Ah, il peut pas. Si, maintenant, oui. Oh, Alisson qui sauve Liverpool. Ah, il a vraiment été chercher son pied droit. Et ce qui est étonnant, Benoît, Thomas, c'est qu'on l'a vraiment laissé aller chercher son pied droit. Hein. On lui a laissé tout le temps. Il l'a bien fait aussi. Ouh. Et là, il est pas hors jeu. C'est goal, mais est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il est hors jeu. Il est hors jeu, mais quel raté pour Liverpool. Thomas, c'est ce contrôle de balle, regardez ici, boum, là il est hors jeu évidemment, mais si c'est pas son contrôle qui rate, il veut la donner à Firmino. Alors, et c'est très mal fait. C'est très très mal fait, manque de lucidité. Ici on revoit le crochet de fait, Fabinho qui se fait avoir assez facilement, je trouve, par un crochet qui me paraissait assez visible. Et là, ici, regardez-moi comme ça passe. Oh ! Mais voilà, c'est le bloc qui est toujours là. Hein. J'ai l'impression que l'Atlético, évidemment que c'est une fin de cycle, mais c'est peut-être le début d'un nouveau aussi. Allez, le voilà. Enfin, et c'est finalement ça là. Et Klopp apprécie et applaudit. Ah oui, il apprécie parce que Van Dijk attire tous les défenseurs comme des mouches. Et c'est ça là qui en profite. Llorente avec Savic. Pas mal ça, il n'y a pas de hors-jeu. Et il passe. Il passe, il a vu qui? Il a vu Morata. Oh, qu'est-ce qu'il fait Morata là-bas? Ah, qui change de chaussure immédiatement. Incroyable, son pied d'appui qui glisse. Pas de faute, non. Thomas avec Lodi. Il est capable de tout. Il est capable de tout, celui-là. Mais on ne peut que l'aimer, ce gars-là. Incroyable. Ok, il n'a peut-être pas un sens tactique très rigoureux, mais... Quelle audace. Anderson.
c'est complètement un Liverpool différent. C'est là qu'on va voir si avec son effectif il est capable. Oh, c'était bien fait. Oui. C'était magnifiquement tenté. Origi encore. Il passe, il arrive, ça va au fond. Non, quel bel effort d'Origi. Ben dites-moi, laissez-le à droite. Hein. Oui, c'est vrai. Première action à droite et superbe centre avec Anderson qui parvient à rabattre ce ballon en volée. Qui vient un peu derrière lui. Hein. Oui. Ce résumé vous a été proposé par Heineken. Et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League.